C'est vrai que c'est bien situé, le marché est à côté, nous pouvons sortir assez librement. On n'avait jamais envisagé une retraite de cette qualité. Hein, nous avons notre chambre personnelle, nous avons tout ce qu'il faut dedans. Dans ce bâtiment classé de la Croix-Rousse, il y avait une clinique tenue par les sœurs franciscaines. Mais Saint-François d'Assise est aujourd'hui un EHPAD, un établissement qui héberge des personnes âgées dépendantes et notamment des personnes à faibles ressources. Si les personnes ont à payer tout leur hébergement, ça coûte à peu près 60 euros par jour, plus le prix de la dépendance qui peut aller jusqu'à 15 euros supplémentaires. L'ensemble des places d'hébergement permanent sont habilitées à l'aide sociale. L'intervention du Conseil général permet de financer ce qui manque. Le projet se veut intergénérationnel. Une partie des bâtiments sera ouverte aux personnes âgées isolées mais non dépendantes. Des étudiants du milieu médico-social seront également accueillis. Cet EHPAD de 80 chambres, il est accompagné d'une maison intergénérationnelle de 17 places. Ces 17 places vont être occupées la moitié par des personnes âgées non dépendantes et donc qui vont pouvoir bénéficier naturellement des prestations ici, restauration, animation. Et puis des étudiants et des futurs médecins ou des futures infirmières ou aides-soignantes et qui en contrepartie en fait du logement qui leur sera réservé viendront, on leur demandera une aide par rapport à cette maison. On s'enrichit du contact d'un aîné, autant qu'un aîné s'enrichit au contact d'un plus jeune. Et puis, il y a aussi cette ouverture vers l'extérieur du quartier. Donc, ce n'est pas un endroit cloisonné, mais bien avec des portes ouvertes sur la ville, avec, pourquoi pas, des bénévoles qui pourront avoir un accès facilité, les familles, un endroit de vie et pas uniquement de soins. L'entrée de l'établissement est à quelques dizaines de mètres du boulevard de la Croix-Rousse et de son marché. Une façon de battre en brèche l'idée selon laquelle nos aînés doivent être nécessairement pris en charge loin des cœurs de ville.